Salut, nous sommes mercredi 1er juillet. Je n'ai pas vlogué, j'ai même vérifié depuis 4 jours. Il y a eu pas mal de choses en fait. Et notamment, quelque chose qui m'a même fait énormément peur, on va dire que ce sont les aléas quand tu es youtubeur, mais je pensais pas que ça pouvait aller aussi loin. Donc j'ai un petit peu pris du recul. On a également longuement parlé avec Eric sur le fait de vloguer, sur est-ce que je vais faire une pause cet été pour justement mûrir différents autres projets et puis surtout pour faire un break qui parfois est nécessaire aussi bien pour ton mental que pour faire évoluer les choses et peaufiner certains projets. Concernant ce qui s'est passé il y a quelques jours, quelque chose que j'avais pas encore vécu en tout cas à ce moment-là et qui est très déroutant à tel point que bah j'ai même eu du mal à dormir. Comment vous dire? Pour vous résumer en gros les choses, ça a commencé par, j'étais chez moi, je regarde, je vois un petit peu au loin par ma fenêtre un type, un individu, qui rôdait autour de ma voiture. Donc jusque-là, ça peut arriver, il regardait dedans, et à un moment donné, j'ai vraiment eu l'impression que même il essayait de l'ouvrir. Je vois qu'une de mes voisines arrive, et cet individu, pour, je pense, dérouter et faire un changement, en tout cas pour montrer autre chose, ça préférait, lui pose, j'en sais rien, hein, moi j'entendais pas, parle avec elle, ça faisait vraiment, je demande quelque chose, mon chemin. Bon, et il repart. Je trouvais ça louche, mais c'est pas grave. Moi je le vois, hein, je l'avais vu, j'avais vu son visage parce que j'ai entrouvert la fenêtre, j'ai fait ma fouineuse, fallait bien que ça porte ses fruits des fois de faire sa fouineuse, son enquêtrice. Donc, c'est là que ça va devenir un petit peu plus flippant. Je reçois, écoutez bien, je reçois un message en privé, toujours d'un individu, et que je ne connais pas, qui était d'ailleurs dans les messages privés, donc c'était pas, c'était quelqu'un, fallait vraiment que j'appuie sur autoriser pour voir notamment le message. Donc par curiosité, j'ai, oh, ça m'a fait tiche, je me dis, mais attends, c'est le mec que je viens de voir. C'est le mec que je viens de voir en fait. Je regarde sa photo de profil, donc je ne le connais ni d'Ève. Et là, je dis, waouh, c'est hyper chelou, c'est hyper flippant. Il m'envoie un message, je ne vous dirai pas ce qu'il met dedans, mais en gros, je ne le connais pas, il veut faire connaissance avec moi. Et là, j'étais toute seule à la maison, en plus Eric était au boulot, j'ai fait, oh merde. Le gars qui m'envoie ce message est devant chez moi, en fait. Il sait où j'habite. Il rôde même autour de ma voiture. J'ai été prise d'une angoisse. J'étais tout en haut. J'ai une alarme, j'ai tout. Mais j'ai été prise d'une angoisse si bien que je suis descendue. J'ai pris un couteau. J'ai pris un truc, vous savez, un bouchoir hyper long. Et j'étais en mode, s'il vient, ça va mal se passer. Et là, j'étais entre est-ce que je réponds, mais j'ai pas envie de répondre. J'ai attendu midi qu'Eric rentre. Je lui en ai parlé, il m'a engueulé, il m'a dit oui, mais voilà, blablabla, mais qu'est-ce que tu veux? Petit aparté, c'est pas parce que tu es sur les réseaux sociaux que tu dois déjà arrêter ton boulot et surtout que tu dois subir ce genre de choses. C'est un petit peu comme dire à une nana qui est en jupe et qui s'est fait agresser, bah ouais, mais ma grande, t'étais en jupe, hein. J'ai cherché un petit peu. Donc là, non, je dis non, non, non. L'Éric qui me conseille, il dit bah vas-y, va voir ce qu'il a dans le ventre, réponds-lui. Donc je lui réponds. C'est à quel sujet? Non, oui, c'est à quel sujet? Et bah, voilà, il me répond qu'il veut faire connaissance avec moi. Et je réponds en gros que bah, non, non, ça va pas être possible. Et bah, toujours en inquiétude, en inquiétude. Le soir, on s'en va faire notre sport. Et en rentrant, je tombe sur la voisine, la fameuse voisine. Je dis, excuse-moi de me déranger, j'aurais une question concernant la personne avec qui vous avez parlé ce matin. Elle me dit, oui, qu'y a-t-il? Je dis, bah, voilà, ça vous paraît bizarre, mais qu'est-ce que cette personne vous a demandé? Bah, rien, elle me demandait son chemin, mais c'est vrai qu'elle était bizarre, elle était déjà dans une impasse, elle était un peu dans un endroit où elle n'avait pas le droit d'aller, c'était un endroit privé, et cette personne avait son portable, bref, je fais, bon, je peux vous montrer une photo, parce que j'avais la photo de profil, moi. Même si, parfois, tu mets une fausse photo. Je m'en fais, mais oui, c'est cette personne. En plus, sur le profil, cette personne, écoutez bien, elle vit environ à 300 km de chez moi. Ce qui voudrait dire que cette personne est venue spécialement, a fait 300 bornes pour moi, donc c'est encore plus
psyché, tu vois. Et donc la personne m'a dit oui, mais carrément, il y avait également une autre personne qui était avec et qui avait vu aussi cet individu qui dit ouais, mais ça ressemble grave, j'ai bien l'impression que ce soit ça. Donc je suis rentrée à la maison, j'ai. Oh là 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 là, grosse angoisse, grosse remise en question. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, tant pis, hein, je ne vais pas commencer à flipper, c'est pas des gens comme ça qui vont avoir le dessus. J'ai donc décidé, je ne ferai pas une pause, je pense, en juillet, mais plutôt au mois d'août, milieu août. Et si je fais une pause, ça ne sera pas non plus une pause pendant un mois. Donc je sais qu'il y a énormément de youtubeurs qui font des pauses juillet, août. Mais quand tu fais du daily vlog ou quand tu en fait publies quasiment tous les jours, ça peut avoir un impact négatif et par rapport à l'algorithme. Quand tu publies une vidéo par mois, ça ne se ressent pas. Mais dans mon cas, moi, j'ai pas envie de prendre le risque. Donc si je fais une pause, ça sera peut-être une semaine, petite reprise, une semaine, ce genre de truc. Mais ça sera pas sur un long moment. Donc voilà pourquoi aussi j'étais un petit peu mal et ça fait 6 minutes que je vous parle. Un vlog particulier. Ce qui fait que bah, hier vous avez vu, je vous ai publié une petite vidéo et franchement j'ai adoré faire ça. Je pense, je l'ai pas encore publiée, je la publierai tout à l'heure, mais vous l'avez déjà vue, qu'elle fera pas beaucoup de vues, c'est pas le genre de truc, les favoris, les coups de cœur en général. J'en ai fait un, ça marche pas des masses. Je pense que ce que vous aimez bien, c'est les hauls actions, mais encore une fois, j'en ai parlé, les hauls actions, c'est pour moi c'est facile, c'est du déballage, même si j'aime bien, parce que franchement, ça fait plaisir de faire 10 000 vues, 15 000 vues, 20 000 vues, 30 000 vues, mais j'ai pas l'impression d'avoir bossé. Et aussi, vous adorez les vlogs, mais les vlogs, pareil, me concernant, moi je fais du daily vlog, c'est-à-dire c'est au jour le jour, là. Je vlog, c'est le 1er juillet. Donc quand tu fais ça, eh ben, c'est autre chose. C'est une organisation, tu n'as pas beaucoup de laps de temps pour préparer d'autres vidéos, pour faire autre chose. Vous voyez, c'est très, comment on dit quand ça te prend vor, ça finit par vor. C'est très. Putain, je sais plus. Voilà. Sinon, on va retourner à la déchetterie demain, je pense. Pour les petits meubles qui restent là, d'autres choses que j'ai descendues au fur et à mesure. Et c'est Eric qui a eu cette idée, et il a eu une très bonne idée. Quand j'avais mis, vous savez, la console, là, je vous montre. Ici, moi, ouais, j'ai pas ouvert, hein, parce que, bah voilà, toujours pour la même chose. Il m'a dit, mais j'ai un flash, je crois qu'il faudrait qu'on se prenne une jolie console, soit blanche, soit grise, pour rappeler, avec une lampe soit indirecte, soit mettre un LED, et puis tu déposes tes clés. Bref, ça ferait hyper chaleureux, et j'ai validé, carrément, ça pourrait être très très bien. Donc tout ça va aller. La déchetterie, comme je vous ai dit, ça c'est mes chaussures donc, qui ne sont plus à ma taille, qui sont déjà abîmées. On est allé à Decathlon, je m'en suis racheté. C'est le même modèle, mais elles sont comme ça et elles sont à ma taille, elles sont à 37. Je vais même pas ranger mes petits trucs. Ah oui, ça ce matin, bah, toujours la migraine. Ça fait 19 jours que j'ai commencé cette pilule. Enfin, cette pilule, je rappelle que j'ai jamais pris la pilule de ma vie. Et c'est censé arrêter mes migraines, mais là, ce matin c'était quand même sacré. Mais c'était peut-être aussi le contre-coup d'avoir, je sais pas. Je vais faire un truc qui me tente trop. Ça, c'est sa petite balle. Normalement, il vient et il la fracasse. Je vais essayer de mettre une biche. Je vais peut-être le. Attention, Jackie. Bah, c'est quoi, c'est passé? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que c'est, la balle de qui, ça? C'est la balle à Jackie? Voilà. Normalement, il va la faire tomber. Voilà. Tellement plus simple. Bon, vous l'aurez compris ou pas. Bon, ça va. Ça fait quoi? Ça fait 20 minutes qu'on est rentré du sport. C'était encore dur aujourd'hui. Waouh, j'ai tout donné. J'ai fait encore un sport. Un score top. J'étais encore plus vite que d'habitude. Et donc j'ai regardé un petit peu les 30 premières minutes de ma vidéo pour voir un petit peu. Alors j'ai vu que ça ne prenait pas. Ça fait beaucoup, beaucoup moins de vues que les vlogs, hein, clairement. Je m'en doutais, c'est bien pour ça que j'avais arrêté. C'est dommage, parce que franchement, j'aime bien, moi. J'ai bien aimé vous faire ça. Mais bon, c'est pas le type de vidéo que vous appréciez, en tout cas, que moi je fasse. Donc je vais voir comment ça évolue. Mais sinon, je n'en referai pas, hein. Tant pis, on va pas insister. Je vais aller me doucher. Vous avez vu, entre le moment où j'ai fait les premières prises tout à l'heure et là, mon retour, il s'est passé pas mal de temps. Mais il fallait que je m'avance sur quelques petits trucs sur ordi. Et puis il fallait également la vidéo, bah, justement cette vidéo dont je vous parlais là, mes favoris, tout ça. Ça m'a pris vachement de temps. Ouais, en plus, c'est des vidéos qui prennent beaucoup de temps. J'ai pris du temps aussi pour la miniature. Donc,
Je ne vous ai pas repris avant. Bébé, ça, il a déjà mangé avant qu'on parte, mais visiblement, il a déjà oublié aussi. Je vais aller me doucher, comme je vous disais, et puis on va griller ce soir. Ça va être steak haché, frites au four, petite glace et évidemment série Bosch. Donc, je vous avais dit, c'est sur Amazon Prime. Si vous l'avez vraiment, mais vraiment, c'est un délice. Vous voyez, c'est le genre de série. Là, l'après-midi ou la journée, tu penses à ça, tu sais le plaisir que tu vas avoir à regarder. Donc, ça ne le fait pas tout le temps. Enfin, si, ça le fait quand même beaucoup, parce qu'il faut dire qu'il y a des séries de qualité, autant sur Netflix que sur Amazon. Et voilà, donc pour Bosch, c'est un pur kiff. Alors, petite douchette faite, regardez-moi cette mignonnerie. J'adore quand il est ici, qu'il a... D'habitude, il a sa petite tête comme ça, voilà. Il est tout mignon. Et puis, il fait dodo. Il est gentil garçon. Il s'accroche comme ça, son bébé. On n'est pas content. Oh là là, j'en peux plus de ce garçon. Vous entendez les oiseaux? J'ai la fenêtre à moitié ouverte. D'ailleurs, on entend aussi la souffleur. Je vais reculer. Bon, il y a un petit changement de programme. J'étais dans ma douche. En sortant de ma douche vers 20h40, je me suis dit, oh, il est un peu tard pour faire chauffer les frites. Ça va prendre du temps, tout ça. Et je me suis souvenue que, et pour vous, ça peut peut-être vous aider, si jamais vous allez chez McDo, sachez qu'ils ont un programme fidélité, mais pas le programme fidélité de merde. Non, c'est pas le truc où, genre, il faut que tu manges pour avoir une peau frite. Non. Là, ce soir, on a le menu best-of avec le sandwich les frites offert, le deuxième, donc pour moi, avec les potatoes sandwich offert, les nuggets, bref. Tu cumules des points et très rapidement, très rapidement, je crois que c'est un truc qu'il faut activer. Donc ce soir, bah, on va utiliser nos points. J'avais envie de manger McDo, lui aussi. Tu culpabilises moins le fait d'avoir fait du sport. La glace, on n'en prend pas. Bah, on a nos petites glaces à l'eau. Et puis, bah, comme je vous ai dit, ça, on va regarder Bosch. Papa est là. Et voilà, vous avez vu la commande. Ça rend bien, même à l'écran, c'est de la 4K, tu me diras. Le monsieur, il est pas bien, il a beaucoup bu. Il est minuit. Et regardez sur quoi je tombe, cette petite mignonnerie. Ah oui, je te cherchais. Tu attendais maman pour aller te coucher, toi. Bon, bah écoutez, je vais... Vous l'avez compris, hein, je vais clore ce... Ouais, je vais d'abord éteindre mon ordinateur. Et je vais aller au lit. Je m'assois pour terminer ce vlog. J'ai attaché mes cheveux en sortant de la douche, n'importe comment. Oui, donc je vais terminer ce vlog ici. Je repensais à ce que je vous disais donc en début de vidéo, ce qui m'est arrivé et tout, mais je pense quand tu exposes tes enfants aux tutures et qu'en plus tu exposes tes enfants, tu as deux fois plus d'angoisse parce qu'en plus, pour la plupart, on sait où ils habitent, avec les petits détails qu'ils donnent ou quoi, tu connais l'école des enfants, c'est chaud quoi. C'est chaud. Sur ce, je vais aller me coucher. Je vous fais un gros bisou. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse.